son adversaire, ancien champion interrégional de l'ABC. Il a été formé, entre autres, justement, par Jean Corne. Il nous vient de Rodez. Voici Chris Randon.
Licorne 2022, Fils Ramdon. Bonsoir à tout le monde. Merci encore de votre présence. Je suis très content d'avoir gagné la coupe ce soir. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus ce soir elle a un goût un petit peu particulier. Un petit goût amer. Et un petit bout. Alors on est content quoi. On est content parce que en fait, voilà, pour ceux qui connaissent, donc Jean Corne, c'était notre entraîneur en fait. Moi j'ai commencé le catch il y a 11 ans à l'ABC. C'était Jean Corne qui avait au bord du ring. C'était Jean Corne qui venait nous donner ses conseils d'anciens. Et toujours en réactualisant par rapport à la nouveauté, par rapport aux jeunes qui arrivaient. Il avait compris qu'il fallait faire du catch à l'ancienne et il avait compris aussi le rôle de nous donner la possibilité de perdurer là-dedans. Et donc voilà, c'est un gros hommage à Jean Corne ce soir. Moi ça m'a donné aussi l'envie d'être encore là 11 ans après, de continuer à monter dans un ring, de continuer à nous battre. Et je sais que voilà. En l'occurrence, si on fait le tour ce soir, il y en a quelques-uns qui sont encore qui sont un peu comme nous, qui ça fait des années qu'ils font ça, et ça fait des années qu'ils montent dans un ring, et ça fait des années qu'ils sont là. Voilà, ça m'a donné aussi l'envie de continuer de faire passer son enseignement. Voilà, moi j'ai continué du côté de Rodez, j'ai continué avec des élèves à moi maintenant. On est une petite troupe très sympathique. Et voilà, je prends cet enseignement que j'ai reçu il y a 11 ans, j'essaie de le faire transmettre. Et du coup, comme ça, en fait, c'est un peu comme ça que les gens deviennent éternels. Hein, parce qu'on les oublie pas et puis parce qu'on fait passer leur enseignement. Merci. Merci à vous, j'ai été formé par Jean Corne d'une certaine manière, notamment dans la démarche pour organiser des galas de catch. Et aujourd'hui encore à l'association Mitterrasse de catch, on démarche, on organise selon ses méthodes à lui. Bien sûr, on a modernisé des petites choses déjà avec lui quand il était là. Notamment, on envoie plus d'emails que de courriers désormais. Mais c'est toujours la même méthode que nous employons aujourd'hui et nous en sommes très fiers. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir une dernière fois, Chris Ramdon. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause de 5 à 10 minutes.